Always choose to We ask the questions. What is needed in the world? Is that going to be? Just over a year ago, in Mali, after pleading with the outside world to intervene, French troops arrived to help the government re-establish control in the northern part of the country, pushing out Al-Qaeda and Islamic extremists who'd been siding with the Tuareg tribes there, declaring independence and with it, a new way of life. The Tuareg tribes had for years been clamoring to run their own affairs, a long-running source of irritation for the central government in Bamako. And opponents have made allegations that the country's previous leadership used all means necessary, including Al-Qaeda-linked groups, to fight the rebellion. In the past year, however, there have been efforts to bring all of this to a close and open a new chapter. A new president was elected. Talks between the government and rebels have, in principle, been agreed upon. But so far, progress has been difficult to see. Is there a risk that tensions will erupt again? And what are the threats facing the new leadership when the French leave, which they are planning later this spring? We'll explore all this now as the president of Mali talks to Al Jazeera. President, you've been in power since September the 4th. Describe your first 5 months in office. Madame, je n'ai de cesse de, avec le gouvernement, de mettre en place, de mettre en application le programme qui nous a valu la confiance des Maliens, à savoir la réconciliation nationale qui passe par le retour du Mali dans sa souveraineté totale. Tout ce qui est survenu au Mali l'a été, parce que l'État n'existait plus. L'État avait été tellement déliquescent qu'il avait fini par disparaître pratiquement de la scène nationale. On peut donc penser que là, nous avons aujourd'hui une mission de refondation de l'État au Mali. In the process of getting Mali back on track, there was a pledge in Burkina Faso in June that you would talk to the rebels, particularly the MNLA. Why has that not happened? Madame, il n'y a pas de, il n'y avait pas de limite drastique. Il était souhaitable que le gouvernement en place commence presque aussitôt les pourparlers. Mais nous sommes en pourparlers, madame, en réalité. J'ai reçu, moi, le groupe rebelle, y compris des éléments du MNLA. Nous avons tenu à Bamako des assises nationales autour de questions essentielles telle la décentralisation, telle les assises du Nord inclusives auxquelles tout le monde a participé. Il n'est pas, madame, question pour nous de nous asseoir avec un seul mouvement. Il s'agit de la question du Nord du Mali. Le Nord Mali, il n'y a pas que le MNLA, il n'y a pas que la communauté Touareg, il y a les Arabes, il y a les Sonraï, madame. Il y a d'autres ethnies qui sont dans le Nord Mali, qui sont concernées par le devenir du Nord Mali. Et ce que la 2100, la résolution 2100 des Nations Unies a indiqué, a souhaité, c'est qu'il y ait un dialogue inclusif au Mali qui concerne tous ceux qui sont aujourd'hui impliqués dans la résolution de la question du Nord. Et nous sommes donc en pourparlers, madame. Now the rebels are accusing the government of a lack of inclusivity. They feel that they are second-class citizens, that they are not getting the same benefits as the other Malians in the country. Possibly reflecting this frustration, Algeria has offered to step in and be a mediator for the peace talks. That too has failed. Madame, justement, moi je viens d'Algérie. Je viens vraiment d'Algérie. J'ai été reçu par le président Bouteflika le dimanche dernier. Et madame, je peux vous dire que la partie algérienne en est témoin, qui a eu l'heureuse initiative de convoquer en Alger, de souhaiter recevoir en Alger nos frères du Nord, y compris le MNLA, tous les groupes du Nord, MNLA, HCUA, MAA et les groupes patriotiques du Nord, qui incluent les Sonraï. Et cette rencontre d'Alger, très heureuse comme initiative, a été conduite presque à son terme, qui devait être le 16 janvier, où une réunion plénière devait se tenir. À la veille de cette réunion plénière, le MNLA a fait faux bond
en ne souhaitant pas être avec tout le monde, ne voulant pas d'un dialogue inclusif. Ce n'est pas le gouvernement du Mali qui refuse l'inclusivité, madame. C'est bien le MNRA. Et la preuve en a été donnée en Alger. You talk about inclusivity, but isn't it more a case of containment? I know that you, along with your neighbors, are very worried about a Tuareg sweep, if I can call it that way. Though the Tuaregs in your country have dropped the calls for an independent homeland. All they want, they say, is autonomy. What is so wrong with that? Madame, il n'y a pas que ceux que vous avez cités qui sont concernés par le problème de développement du nord du Mali. Et je voudrais vous dire également aussi que dans la communauté Touareg, l'écrasante majorité se sent absolument malien, a toujours été malien. Nous avons toujours vécu en parfaite symbiose dans ce pays-là. Il n'est pas question, madame, pour nous d'avoir une enclave dans le sein du Mali. Nous sommes très clairs là-dessus. Nous avons dit la communauté Touareg est considérée au Mali comme totalement malienne. Elle a tous les droits des Maliens. Il n'y a jamais eu de marginalisation ni d'exclusion au Mali au motif d'appartenance à telle ou telle communauté. Et je voudrais vous dire également aussi, quand on parle des Touaregs, les Touaregs ne sont pas seulement qu'au Mali. Il y a des Touaregs sur l'ensemble de la zone sahélo-saharienne. Il y en a également au Niger. Et alors, de quelle indépendance s'agit-il et de quelle partie des Touaregs? J'ai aujourd'hui à l'Assemblée nationale 4 députés de Kidal, qui sont aussi Touaregs que ceux que vous avez cités, qui ont les armes à la main. Et ceux-là qui sont à l'Assemblée nationale ne sont pas les moindres. Why don't you put that to a referendum and let those Tuaregs who don't want independence have their say? Because many of the Tuaregs that we've spoken to say they don't get treated the same way as those in the south do. They don't get education, they have no infrastructure, they don't feel they're supported by the state. Madame, ils ont tous les droits au Mali. Nous avons au Mali un problème global et général de développement du territoire et dû à des raisons économiques nationales. Le pays est un pays en développement, le pays est sous-développé, le pays manque de moyens. Pour le nord du Mali, madame, la zone dont vous parlez, a bénéficié de beaucoup de financements, malheureusement qui n'ont pas été souvent bien dirigés et bien conduits. Ce sont des choses, madame, sur lesquelles nous allons absolument, absolument veiller. What about those billions that were sent to the government for development? That never happened. Madame, pas seulement de la part du gouvernement, de tous les mises en cause, y compris quelquefois des cadres d'origine Touareg qui avaient la gestion de ces projets-là. Ça, ce sont des questions, madame, qui vont se gérer dorénavant. Si les Maliens m'ont fait confiance, madame, pour prendre le destinée du pays en ce moment précis de l'histoire nationale, c'est que l'on sait que je suis un homme d'État qui tient ses promesses et ses paroles. Et la communauté Touareg, absolument malienne, le sait également et me fait confiance. Et madame, je n'irai pas dans les méandres de telle ou telle combinaison. Ce que je peux vous dire, madame, c'est que ma volonté de faire en sorte que dans ce pays-là, nous soyons unis, que nous fassions en sorte de nous adresser au seul défi important aujourd'hui pour nos Maliens, c'est le développement. Tout le reste, madame, est aventure. Et nous n'irons pas dans les aventures. There is a perception in the country, particularly from the Tuaregs, that from the government point of view, they are enemy number one. Is there any truth in that? Oh, madame, c'est pas vrai. Cela est absolument faux. Madame, le Mali n'est pas né aujourd'hui. Le Mali n'est pas né donc en 2013. Le Mali n'est pas né à la faveur d'une rébellion récente. Le Mali est un vieux pays, madame. Le Mali connaît l'État depuis le 11e siècle. Le Mali a des relations internationales avec l'ensemble du monde civilisé connu depuis ce temps-là, madame. Et de ce temps à aujourd'hui, madame, dans notre pays, les communautés ont vécu en symbiose, en échange, en harmonie. Il n'y a pas une seule famille Touareg, madame, qui n'a pas sa correspondante sur la bande fluviale, dans la région de Gao, dans la région de Tombouctou. Cela est constant. Échange commercial, échange humain, échange culturel au niveau de la religion. Nous ne sommes pas un nouveau pays, madame. But these problems have been going on for decades. There have been 4 uprisings since 1963. The Tuaregs and some of the Arab tribes feel that they have been overlooked, and in fact, they accuse the government of opening the door to Al-Qaeda in order to contain them. Madame, vous vous rendez compte de ce que vous dites là? C'est très grave. Donc le gouvernement aurait sciemment ouvert la porte à Al-Qaeda pour contenir une volonté
d'indépendance ou d'autonomie. I back that up because of what we've been told by hostage takers through rebel leaders themselves. And these papers are all from WikiLeaks claiming the same thing. And let me put this to you. This comes from Algerian security forces. They accused the Malian president, Amadou Toumare Touré, of sheltering GSPC terror cells and letting drug smugglers operate freely, and him of providing a safe haven in which drug smugglers and terrorists can operate again, allowing the drug trade to expand across the Sahel. Madame, c'est le nouveau président du Mali qui vous parle, madame. Si ce monsieur n'est plus président du Mali, c'est bien que les Maliens ont décidé de faire face à leur destin, en toute clarté. Madame, qu'il y a eu des erreurs de gestion au Mali, mais jamais, madame, il n'y a eu une volonté politique, même sous ce monsieur, président, de jouer du djihadisme pour contenir une rébellion Touareg ou une volonté indépendantiste de Touareg, quelle que soit. C'est une thèse absolument absurde. Okay, what is the relationship now between the government and Al-Qaeda? Because again, there have been allegations of close ties, of working alongside Al-Qaeda when it comes to hostage taking and the government skimming from the top. Moi, je ne tombe pas dans l'étoile de WikiLeaks ou de tel ou tel. Je vous dis, madame, ce que je sais. Et je suis également, madame, quelque part, historien de formation. Ce que je dis est vérifiable. Madame, il n'y a jamais eu au Mali une volonté politique de jouer du djihadisme d'Al-Qaïda pour telle ou telle fin politicienne. Cela est absolument faux et je m'indigne contre de telles allégations. Madame, aujourd'hui, celui dont vous parlez n'est plus chef d'État du Mali. Je suis chef d'État du Mali. Et mon programme et mon projet sont bien connus, madame. Mon cap est bien fixé. Nous avons été au Mali victimes de l'affaire libyenne, chacun le sait. On peut peut-être accuser l'ancien président de n'avoir pas été perspicace, de n'avoir pas écouté les alarmes qui avaient été lancées. Yes, I mean, reportedly the corruption under him was endemic throughout all levels of government. You were working at that stage as president of the National Assembly. Were you aware of this going on? And if so, did you do anything about it? Madame, ce qu'il y avait à dénoncer, encore une fois, si les Maliens m'ont fait une confiance aussi fabuleuse, c'est que les Maliens savent que je n'ai jamais été dans cette enfance-là. Et que ce que je devais dénoncer, je l'ai toujours fait. J'ai dénoncé la gestion patrimonialiste de l'État, madame. J'ai dénoncé toutes les dérives auxquelles l'État était en train de se déliter, qui nous ont conduits là où nous sommes conduits, madame. Je n'ai jamais tué la vérité. Je suis un homme à l'aise, madame, vis-à-vis de vous, et face à l'opinion internationale, et singulièrement ceux qui regardent et suivent Al Jazeera. Let's talk now about the existing Al-Qaeda threat. The French troops were able to break them up, but not decimate them. And by all accounts, they are now regrouping. So what can be done to contain that threat? Madame, c'est ça que nous sommes en train aujourd'hui, avec l'aide de nos amis, de faire en sorte que les résidus du djihadisme ne puissent pas prospérer et reprendre la force. La force internationale, madame, la MINUSMA et Serval de la France, ont fait du bon travail, madame, grâce à ces interventions-là, africaines et internationales, françaises notamment, et européennes et d'autres pays, les troupes djihadistes, dans leur grande majorité, ont été défaites. Le gros matériel a été détruit. Madame, il y a encore des poches résiduelles qui de temps en temps font parler d'elle. Et cela est une préoccupation de tous les instants de mon gouvernement. Et je pense que nous sommes aujourd'hui en train de reformer l'armée malienne, de l'entraîner de nouveau, yes, et d'en faire une armée digne de ce nom, pour qu'elle puisse précisément répondre aux menaces dont vous parlez. Mais ce n'est pas le Mali seul, madame, qui peut contenir Al-Qaïda. Al-Qaïda est un phénomène aujourd'hui qui se pose à tous les États du monde, et vous le savez, madame. Et ce n'est pas un État qui a été mis par terre, madame, qui a perdu tous ses moyens, qui a été détruit, madame, que nous sommes en train de refonder, qui peut seul faire face aujourd'hui à la menace d'Al-Qaïda. Pourquoi nous avons besoin de la solidarité internationale? Il n'y a aucune malice, madame, à nous et chez nous, par rapport à Al-Qaïda. Nous sommes un peuple musulman, madame, depuis le 10e, 11e siècle. L'islam n'est pas nouveau chez nous. Et on ne vient pas nous apprendre l'islam comme si nous étions des gens à convertir. Il y a donc un projet politique autre que chacun de nous doit nous aider à contrecarrer. Was it wrong getting rid of Muammar Gaddafi? Because Libya has now become
a safe haven for Al-Qaïda and a place where they can regroup? Madame, vous savez, moi je suis sur le Mali. Je suis le seul état du Mali. Ce qui s'est passé à droite et à gauche, madame, ne m'intéresse que comme incident sur mon pays. Et l'incidence de la crise libyenne sur mon pays est ce que je suis en train aujourd'hui d'essayer de corriger avec toutes les bonnes volontés du monde entier. Le reste appartient à l'histoire. L'histoire jugera de l'opportunité de telle ou telle situation. Ce qui m'importe, moi, madame, c'est le Mali. Ce Mali-là, madame, je le ferai connaître dans sa réalité, pas dans ce qu'on dit de lui, pas dans les caricatures, madame, dans ce qu'est le Mali, dans ma volonté politique de bâtir un nouveau Mali, dans le fait que les Maliens aient eu confiance en moi au sortir d'une catastrophe comme celle qu'ils ont vécue, madame, ce n'est pas par hasard. And people will be treated the same whether they live in the north or the south of the country? Madame, je me trouve même insultant cette question. Tel a été toujours le cas, tel sera toujours le cas. It's not my opinion, it's an allegation coming from the Tuaregs in particular. Elles sont totalement infondées et injustes. Et ça prouve jusqu'à quel excès on peut aller, madame, quand on veut noircir le tableau. Je ne noircis pas de tableau. Je dis qu'il y a des frères qui sont égarés, qui sont dans des schémas, qui ne prospéreront pas, qui ne pourront pas mettre en œuvre. Cela est vain. Donc qu'ils viennent et qu'on travaille ensemble pour faire le Mali. C'est la seule issue qui vaille. Tout le reste est vain. La communauté internationale, madame, sait très bien que le Mali doit préserver, pour la paix mondiale, son intégrité territoriale. Mais elle n'a pas besoin d'être dépecée, d'avoir des petites enclaves dédiées à telle ou telle communauté. Non, le Mali est un grand pays. Le Mali est un pays qui existe, je le dis, madame, qui connaît l'État depuis le 11e siècle. Et ce Mali avait des relations internationales avec tout le reste du monde, madame. Ce n'est pas un pays neuf, c'est un vieux pays. How do you feel about the ongoing French intervention in your country and the fact that they're getting so involved as far as your military is concerned and the fact that the security conference on your part of the world was held in Paris? Did you feel as though you've been beckoned by your former colonial master? Madame, vous continuez un peu dans l'excès. Il n'y a pas de maître colonial. L'homme qui est aujourd'hui le président de la République française, je le connais depuis très longtemps, François Hollande. C'est un ami personnel. On se connaît intellectuellement. On se connaît au plan culturel. Je sais quel homme il est. Et c'est une injustice que de penser qu'il puisse avoir une once de valeur colonialiste. C'est un homme qui parle de solidarité, bien comprise entre les peuples qui vivent sur cette terre des hommes. Et dans ce domaine-là, madame, la France, en tant qu'ancienne puissance colonisatrice, a une responsabilité vis-à-vis des peuples avec lesquels elle était en rencontre. Dans l'histoire mondiale, madame, chaque fois qu'il y a eu contact entre les peuples, il en est resté quelque chose. Aucun peuple du monde, madame, n'a été à l'abri de cela. Nous savons les brassages humains. Nous savons ce qui se passe dans l'histoire contemporaine mondiale, que ce soit à l'Est, que ce soit dans la vieille Europe, que ce soit dans les Amériques. Tout cela, madame, laisse des traces humaines, des traces qui fondent à être solidaires les uns des autres quand il faut le faire. La France est intervenue. Le monde entier a compris l'urgence et l'a suivi. Sans cela, nous serions aujourd'hui les sujets de l'Al-Qaïda, madame. C'est parce qu'ils voulaient, que personne ne souhaite. Il n'y a pas de colonialisme là-dedans, madame. Il s'agit de défense commune, il s'agit d'intérêts communs et de menaces à conjurer au plan collectif. What about the US? I mean, they're certainly a secondary player when it comes to Mali. Would you like to see more of the US when it comes to the security situation in your region? Madame, je me réjouis de la qualité des relations avec les États-Unis d'Amérique. Et le président Obama a eu l'occasion de me le dire avec amitié à New York durant l'Assemblée générale, qui m'a fait l'honneur de m'inviter à sa table. Et je note également, madame, que très récemment, nous avons eu un beau cadeau de fin d'année. C'était le retour du Mali dans le système de l'AGOA, qui est un système privilégié d'échange avec les États-Unis, dont le Mali avait été exclu quand il y a coup d'état dans un pays. Madame, vous savez très bien que le Congrès américain est strict là-dessus. Nous sommes revenus dans l'AGOA, grand signe d'amitié. Et nous avons également, madame, beaucoup de perspectives avec les États-Unis de coopération renouvelée et reprise sur des bases de confiance, parce que pour les États-Unis, il est clair que la démocratie est de retour au Mali. Donc les États-Unis d'Amérique sont un grand ami du Mali et notre coopération est au beau fixe. Will you support the use of drones? The French will start pulling out their troops in the next month or so, and using drones has been suggested as a way of putting a stop to Al-Qaïda. Will you back that? Ce n'est pas encore à l'ordre du jour chez nous.
ce n'est pas encore à l'ordre du jour. On parle des projets à venir. Et je suis un responsable politique qui se veut responsable. Quand le problème se posera, nous l'examinerons avec nos amis français. You say you're going to restructure the army and it's going to take many years to do that. As part of that, will you investigate crimes committed during the 2012 uprising committed by the army itself? Comment pouvez-vous dire cela, madame? Est-ce que vous savez ce qui est en cours, madame? Ne doutez pas de nous a priori et ne prenez pas toujours pour argent comptant ce que dit une partie. Including Amnesty International, because they talk about summary executions which they want investigated. Madame, quand il y a conflit, il y a des débordements de tous côtés. Il y a 110 soldats maliens qui ont été égorgés à Anguéloc. C'est douloureux. Nous sommes, nous, en train de dépasser, madame, ces événements pour embrasser l'essentiel, la réconciliation. Si chaque fois, madame, on doit sortir tel ou tel élément, il y en a de tous les côtés. But surely perpetrators should be brought to justice. Isn't that part of reconciliation? Laissez-moi répondre, madame, s'il vous plaît. Je crois que nous ne sommes pas dans une... Vous n'êtes pas en bagarre avec moi, madame. Vous posez une question, donc donnez-moi le temps de répondre, madame, s'il vous plaît. J'apprécierais beaucoup. Madame, je pense que il n'y a pas, a priori, à nous juger comme incapables de faire face à nos devoirs de justice et de souci des droits de l'homme. Nous avons, de manière culturelle, intellectuelle, philosophique, doctrinale, souci des droits de l'homme, madame, de tous les droits de l'homme, de tous les droits de l'homme, pas de tel ou tel côté, pas de telle ou telle couleur, les droits de l'homme. Et pour cela, madame, nous sommes intransigeants. Quiconque violerait ces droits humains, dans quelque circonstance que ce soit, doit en répondre devant la loi. So you will investigate the army? On est en train d'enquêter, madame. C'est clair, ça. Et je l'ai dit, et la communauté internationale sait qui je suis. Et ce que je dis, je le fais, madame. Nous avons dit au Mali, nul ne sera au-dessus de la loi. Nul. Dura lex, sed lex. Telle est ma devise, madame. Et je m'y tiens, croyez-le bien. Je n'ai aucun complexe par rapport à ça. Aucun complexe. The world watched in horror as your country fell apart. It's been described as falling like a pack of cards. How is the rebuilding side of it coming together? And I'm talking about places like Timbuktu, which was looted, and you lost so many important historic pieces. Is it a country now that tourists can return to? Vous avez raison, madame. Notre pays, madame, est un beau pays. C'est un pays que vous m'avez dit avoir connu, madame. C'est un pays qui n'aspire qu'à la paix. C'est un pays de foi. Ce pays, madame, a tombé dans la violence du fait précisément de certains éléments qui ont estimé devoir prendre les armes contre leur patrie et qui ont favorisé, c'est eux qui ont favorisé, ne déformons pas l'histoire, madame, elle est claire, elle est nette, qui ont favorisé l'arrivée d'Al-Qaïda. Ce n'est pas le gouvernement du Mali, madame. Ne retournons pas les choses. Mettons-les dans le bon sens. Al-Qaïda est arrivé au Mali à la faveur de ce que le MNLA a entrepris. C'est ça la vérité, madame, historiquement établie. Et c'est eux qui, madame, ont fait en sorte que ce pays de paix, ce pays de beauté, ce pays des arts, ce pays de la culture, ce pays d'une foi vive, ardente à Timbuktu, à Djéné, à Gao, a sombré dans la violence, est devenu une sorte de caricature de ce que nous avons connu et de ce qu'il fut, ce pays-là. Mais madame, nous allons tranquillement, sereinement, mais efficacement, avec foi, avec l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala, nous allons faire en sorte que ce pays se retrouve, que tous nos frères se donnent la main pour bâtir le Mali, que les gens quittent l'aventure, qui ne mène à rien du tout. Madame, pour moi, tout Malien tué, tout Malien qui tombe, madame, c'est horrible pour moi, c'est une bêtise. Nous avons à vivre ensemble, nous avons à faire la paix. C'est ça la dédicace du Mali, rien d'autre. Le Mali ne sera le Mali que réunit tous ses enfants, main dans la main, pour le bâtir au profit de son peuple, de tout son peuple, du nord au sud, madame, d'est en ouest. President Keita, it was wonderful talking to you. Thanks for talking to us on Talk to Al Jazeera. Appreciate it.